Ce pont est très important puisque c'est par le chemin de fer que le port de Kalemie est relié au reste du Congo, relié à la ville de Kindu, à Kabalo, à Lubumbashi, à Mbujimayi, Kananga et autres centres importants de notre pays. Depuis que ce pont est parti, Kalemie est resté juste avec 96 km d'exploitation. Ici, il y a rupture de charge, c'est-à-dire que les clients qui chargent leurs marchandises au niveau de Kalemie sont obligés de décharger, de transborder et de venir recharger de ce côté-ci. C'est assez simple quand l'eau est assez basse, le niveau d'eau est très basse, mais quand pendant la saison de pluie, quand l'eau monte, c'est vraiment très, très risquant et c'est très, très difficile. Makingi Lipotea. Ces bidons viennent, bidons d'huile et de palmes viennent de Mbulula, du côté de Kongolo, et je vais jusqu'à Kalemie. C'est à 1h du matin en 97 que le pont a eu cet accident. Il y a beaucoup de morts, les enfants, les vieillards, les mamans, etc. Première chose, personne ne savait, le pont a eu cet accident. Et ça a commencé avec une petite pluie. Le remblai a été emporté. La pluie a continué. Et on a entendu les klaxons du train. Heureusement qu'il y avait une personne qui s'est précipitée de l'autre côté pour prévenir le responsable. Dieu aidant, le train a pu être arrêté à temps. Je vois ici les gens qui sont en plein air, des mois et des mois. Il y a même ceux qui ont transporté leur famille, leur foyer. Au lieu de Nyemba, de Nyunzu ou de Kalemie, ils sont ici avec leurs enfants, leurs épouses, attendre l'évacuation éventuelle de leurs marchandises. C'est vraiment un sentiment de pitié. Parfois, le train de la correspondance n'arrive pas à temps. Par exemple, pour les voyageurs qui doivent aller à Kongolo, ils sont obligés de prendre d'autres moyens, encore plus difficiles et plus souffrants, les vélos, par exemple. Il y a aussi les conditions de logement au niveau de Nyemba, qui ne sont pas bonnes. Les gens doivent se débrouiller pour se nourrir, et puis parfois il n'y a pas d'eau potable. Et là même, on a appris qu'il y a un moment donné, il y avait l'épidémie de choléra, là. Vous voyez que, en tout cas, la réhabilitation de ces ponts, ça va résoudre beaucoup de problèmes pour nous tous. Le remblai derrière la culée vers Kalemie a été emporté sur 104 mètres, puisque malheureusement, cette culée-là n'était pas protégée par des murs en elle, contrairement à la culée du côté Kabalo. Le constat, c'est que le terrain est relativement plat, donc on va gagner beaucoup de temps. Par contre, le pont est en mauvais état, le béton est en très mauvais état, donc il va falloir le renforcer aussi. Quand on a fini le relevé topographique, donc on doit faire l'étude, donc comme j'ai dit, faire les plans, faire le cahier des charges, c'est-à-dire décrire tout ce qu'on doit faire, tout ce que l'entrepreneur doit faire. Ça devrait être fini fin août. Après fin août, il faut mettre en adjudication, comme on dit. Donc on vend le cahier des charges à des entrepreneurs qui remettent prix pour faire le travail. Celui qui est moins cher fait le travail. Et cette période d'adjudication et de mise en œuvre peut durer entre 3 et 6 mois. Ça veut dire que normalement, on devrait commencer à travailler à ce pont-ci à la prochaine saison sèche,
dans plus ou moins 6 mois. Nous sommes ici à Calémier. Le pont de Niemba se trouve à une centaine de kilomètres vers l'intérieur des terres. Le voilà, sur la rivière Niemba. La situation avant la crue était celle-ci. Donc, il y avait le pont sur lequel les trains passaient, prolongé par un remblai sur les terres. Avec la crue, la rivière est devenue fort, fort large et a emporté toute cette partie-ci de remblai. Donc, le pont existant, qui a une ouverture de 30 mètres, on va le réparer et l'améliorer aussi. Et on le prolongera d'un pont d'une plus grande ouverture, d'une plus grande portée, qui fera au minimum 50 mètres. Donc, l'ensemble total, ce sera un pont, un petit viaduc de 80 mètres de long pour laisser un passage libre assez grand à la rivière Niemba pour ne plus qu'elle pousse de nouveau le talus et passer à côté du pont. Ce pont est fabriqué en Belgique, donc aux ateliers Poncin. Nous sommes une entreprise d'une centaine de personnes et nous produisons 12 000 tonnes d'acier par an. Donc ce pont-ci qui fait 150 tonnes et 35 tonnes dans la poutre de renforcement, 185 tonnes. Si c'est un exploit, je vais dire industriel, et surtout un exploit technique au niveau du montage, pour nous, ça ne représente pas encore de grands investissements au niveau métallique. Mais enfin, voilà, c'était surtout un exploit technologique. Ce projet, nous avons commencé à l'étudier en mars 2005. Comme c'est un ouvrage qui est financé à 100% par la coopération technique belge, donc l'État belge, il est soumis aux règles et normes de fabrication en Belgique. Donc maintenant que tout est soudé, que tous les contrôles ont été faits au niveau des soudures de manière à vérifier qu'il n'y avait pas de défaut, etc., les pièces sont maintenant en phase terminale, donc on les assemble l'une à côté de l'autre dans l'atelier, de manière à vérifier qu'on a une bonne conformité. Il faut savoir que les ouvrages d'art, donc c'est-à-dire les ponts, et alors plus particulièrement encore les ponts pour les chemins de fer, sont certainement les ouvrages sur lesquels on subit le plus de contrôle. De temps en temps, on entendra peut-être dire qu'un bâtiment s'écroule, beaucoup plus rarement qu'un pont s'écroule, mais un pont de chemin de fer, jamais. On va mettre les pièces dans des containers qui vont partir ici d'Oquier, au port d'Anvers. Port d'Anvers, elles sont mises sur des bateaux. Ces bateaux, via le détroit de Gibraltar et le canal de Suez, vont arriver en Tanzanie, au port de Dar es-Salaam, où là, elles seront chargées sur des camions. Ces camions vont les amener à Lubumbashi. Et alors, de Lubumbashi, elles vont être prises en charge par la SNCC, de manière à être acheminées sur le site du chantier à Niemba. Ici, on voit la nouvelle partie est plantée dans le pont existant. Donc on va mettre cette grosse poutre à l'intérieur de la partie existante de manière à la renforcer. Une autre vue. Ici, on voit la jonction entre le pont existant et le nouveau pont avec les éléments, donc les 9 éléments de 6 mètres. Une vue complémentaire et d'ensemble où on voit l'ancien pont, le nouveau, la rivière Niemba qui précédemment passait dans cette partie et qui maintenant a élargi son lit et passe sous l'ancienne et essentiellement sous la nouvelle. Pour le montage, toute cette partie va être d'abord assemblée et soudée là-bas et puis on va la faire rouler. On va mettre une palette provisoire ici qui va le supporter temporairement. Donc on va la faire rouler et puis la faire descendre. Donc nous avons reçu, au moment de l'adjudication, nous avons reçu les plans de la CTB avec le relevé topographique. Et alors nous avons, nous, réimplanté ça dans notre système informatique de manière à pouvoir prendre toutes les données pour la fabrication parce que toutes les tôles sont coupées par des machines à commande numérique. Maintenant ici on se trouve au niveau de la production. Donc on est au niveau des tables d'oxycoupage où on reçoit les tôles qui arrivent par camion, on les positionne sur les tables et via le système informatique, on va rechercher les informations qu'on transfère dans la CNC et à ce moment-là, on peut exécuter les découpes directement sur les pièces. Et ici, pour le moment, on voit la trace de la coupe qui est en train de s'effectuer et ce qui reste à faire comme coupe. Ici, nous sommes au sein du montage à blanc. Vous pouvez voir à ce côté-ci les 9 éléments qui vont servir pour le nouveau pont que nous assemblons l'un à la suite de l'autre pour garantir la position chantier, donc quand ça partira d'ici, nous serons sûrs que tout se coïncidera sans problème. Et de ce côté-ci, nous avons les 5 éléments qui vont servir de renfort au pont existant. Ici, sur la pièce, on a réalisé un sablage manuel
afin de garantir l'accrochage de la couche anti-corrosion. De plus, avant la peinture, on peut bien se rendre compte des qualités de soudure. On a les soudures en arc submergé sous flux et les soudures faites en semi-automatique, donc manuellement. Donc ici, on est en phase de finition de montage à blanc. Et alors là, pour le moment, Joe, tu attendais de finir quoi? Je vais m'expliquer simplement avec un outil. Je fais un recalibrage, on va dire final, pour assembler les bords en vis-à-vis pour la soudure. Donc ça veut dire que là, on a fait un alignement total entre les tôles de rive. Et ici, on voit un petit décalage, donc on va effectuer une petite chauffe de retrait pour garantir l'alignement. Alors, ce qui est impressionnant dans ce projet-là, et le véritable challenge, c'est que chez nous, on nous matraque de qualité, de faire de la qualité, de produire de la qualité. On dit qu'en fait, comme on l'appelle, la Belgium Quality, on ne fait que parler de ça. Est-ce qu'il est possible de réaliser la même chose au Congo? En fait, finalement, c'est ça le but. Et bon, j'espère qu'on va y arriver. En tout cas, on va tout mettre en œuvre pour. Ça se prépare bien. Sur le papier, en tout cas, tout est prêt pour. Je le disais, j'ai eu des confirmations sur la qualité des bétons, par exemple. Hein, parce que on a déjà la garantie qu'au moins sur les bétons, sur les aciers, sur les composants en tout cas de la réalisation des tabliers, on aura quelque chose de valable et de sérieux. Il faut espérer que tout le monde joue son rôle. C'est comme une partie de cartes, hein, on connaît les règles. Et pour avoir une partie de cartes agréable, il faut que tout le monde respecte les règles. Là-bas, ils seront assemblés parce qu'il faut reconstituer l'ensemble, il faut tout ressouder. Je suis très content parce que au moins ça avance, quoi. Donc 2 ans, c'est un délai normal aussi bien en Belgique qu'ailleurs pour faire une étude, puisqu'il y a 2 ans, c'était le levé topographique et les premiers plans. C'est une réussite, je suis content. C'est un espoir qui se réalise pour tout le monde. Tout se bouscule très vite dans la tête aujourd'hui parce qu'en fait, on est arrivé en fin de matinée, donc par la Drésine. Et voilà, on a visité le chantier, on a eu notre première réunion de chantier. Là, on est en train de mettre au point tous les détails techniques sur la qualité des aciers, les bétons, les matériaux qui arrivent au compte-gouttes. Hein, un train vient d'arriver d'ailleurs aujourd'hui dans l'après-midi avec une partie des matériaux et entre autres du fioul. Donc on a eu un premier convoi le 21 mars, qui est arrivé ici le 21 mars, avec une partie des ouvriers qualifiés de Lubumbashi, donc des charpentiers, ferrailleurs, maçons, etc., qui sont spécialisés dans ce genre de travail. Et on engage sur place, localement, ce qu'on appelle des journaliers qui vont aider à toutes sortes de tâches, pour faire les bétons, pour aider les ferrailleurs, les charpentiers, etc. Alors nous avons dans un premier temps les 2 wagons de ballast et nous avons réceptionné pratiquement 30 rails de profil 29 kg, plus 105 traverses. Nous avons des traverses à perçage spécial. Il y en a 75. On a de très bons rapports avec les chefs coutumiers. On a fait les cérémonies coutumières. Donc tout se passe bien. Hein. Ils nous ont garanti que notre chantier serait béni et que tout se passerait bien. Donc maintenant, on voit effectivement qu'il ne pleut plus. Donc ça, c'est déjà très important. Parce que pour nous, ce qui nous faut, ce qui est vital, c'est que le niveau de la rivière descende le plus vite possible et qu'on puisse vraiment travailler dans des bonnes conditions. Il y a toute une préparation topographique, on a tracé des chaises d'implantation, ça veut dire qu'on a tracé des alignements en fait et toute une série de points de repère pour dès demain matin commencer les premiers vrais travaux de terrassement autour de la pile centrale de l'ouvrage. Nous avons commencé ces chantiers, c'est depuis le mois de mars. On a commencé d'abord par faire la semelle, renforcer la pile. Il y avait beaucoup de travaux à faire, aménager la maison où on devrait loger, nos chefs. Quand même, nous ne sommes pas seuls, nous avons notre chef, M. Ben. Pour le moment, il est à Luboum. C'est pour préparer les convois, les histoires qu'on doit amener ici. Je crois que dans moins de 4 jours, on va commencer à couler les bétons des propriétés. Et après, on va coffrer pour continuer la culée.
Je crois que d'ici le mois de septembre, on aura déjà terminé. Je crois qu'on est, à temps. Hein. La travée existante a été renforcée par une poutre de renfort qui pèse 40 tonnes et qui est posée sur ses propres appuis, indépendant du pont existant. Non, pour ça, le pont il est reparti pour des années. Le pont qui a été adopté, c'est un pont à tablier ballasté. Donc c'est un système pratiquement que nous n'avons pas sur notre réseau. Donc partie métallique, hein, comme vous voyez là, et au-dessus, une structure en béton armé. Donc, on appelle ça un tablier mixte. Donc à la fois, il y a de l'acier en dessous, dans la partie inférieure, et à la fois du béton armé au-dessus pour la superstructure, ce qu'on appelle la superstructure. C'est une espèce de bac en béton armé dans lequel on viendra mettre le ballast et remonter la voie, comme je l'ai dit. Nous avons procédé à l'assemblage. Nous avons soudé 9 éléments entre eux. Et dernièrement, nous venons de lancer l'ouvrage pour lui faire traverser la brèche, c'est-à-dire on est passé au-dessus de la Niemba. On a eu quelques difficultés, principalement d'ordre météorologique. Il a eu quelques pluies qui nous ont arrêtés un peu. C'est bon, top. Les grandes difficultés de mise en place d'un ouvrage métallique sont principalement sa surveillance lors de son déplacement. On se retrouve à déplacer une charge d'à peu près 180 à 200 tonnes, qui fait qu'il y a une grande surveillance lors du déplacement parce qu'il peut y avoir des impondérables difficiles à maîtriser. Donc on essaye de tout maîtriser avant même d'avoir les problèmes. Bien voilà, donc comme vous pouvez le voir, on est dans la phase la plus délicate. C'est le lançage, ce qu'on appelle le lançage proprement dit du tablier métallique. Donc le nouveau tablier métallique prend pour le moment appui sur l'ancien. On est en train de le pousser progressivement pour qu'il aille atteindre la nouvelle culée qui se trouve de l'autre côté là-bas. Évidemment, pour ça, on a besoin d'un appui intermédiaire. C'est ce qu'on appelle la palée provisoire qui est ici en partie. Elle est en deux pièces. On va donc dans une demi-heure, une heure, installer la nouvelle palée, la partie supérieure en tout cas, la poser sur celle qui est déjà installée. Et ensuite, on va continuer le lancement du nouveau tablier métallique. Tout se passe à merveille pour l'instant. Comme vous pouvez le voir, on est à peu près à la palée provisoire. Ça va plus vite que ce qu'on espérait. Le chantier avance bien. On est en train de pousser le pont. Donc d'ici une semaine, le pont sera mis en place. Et d'ici 15 jours, la dalle en béton sera faite et on pourra rouler dessus. Il y a encore quelques problèmes dans le vieux pont. On a trouvé quelques traces de rouille, mais qu'on va réparer comme ça, sans aucun problème, pour avoir un pont vraiment neuf, et qui tiendra pour des dizaines d'années.
On va peut-être régler. Alors qu'il est, l'ouvrage est à sa place quasi définitive. On a réussi à terminer le lançage hier, donc on était jeudi. Et là, à partir d'aujourd'hui, pendant une semaine et demie, deux semaines, on va procéder à la descente par dévérinage avec des vérins hydrauliques pour l'amener à sa phase définitive. Vous voyez bien qu'il est beaucoup plus haut, il y a une différence de 2,50 m pratiquement. Il faut le descendre progressivement, ça se fait très très lentement. Ce sont des appareils quand même relativement sophistiqués, donc on doit manœuvrer avec beaucoup de patience et de délicatesse. Donc ici, vous voyez aussi qu'on fait des travaux à rivière qui sont assez énormes. Ça coûte aussi cher que le pont, donc on essaye de canaliser la rivière pour éviter qu'il y ait encore des érosions et que l'eau ne dépasse encore le pont comme elle avait fait une première fois. Donc ces travaux-là avancent bien aussi, sont pratiquement terminés. C'était fait avec des ouvriers locaux qui ont bien travaillé et je suis vraiment content de voir comment ça avance. Donc la mission de Malta Forest, c'était de préparer le travail, préparer les bétons, donc le renforcement de la pile, la nouvelle culée, les aménagements des abords de la rivière. Et il faut savoir, pour vous donner quelques chiffres, qu'on a sorti de la rivière 21 000 m3 de sable pour empêcher que les eaux débordent encore une fois. On a construit des gabions de 2 500 m3 de pierre qu'on a été chercher dans la Lukuga. Le remblai sur lequel nous sommes et qui va reprendre la voie jusqu'à la culée représente 6 000 m3 de terre. Au total, on a eu également à peu près 500 m3 de béton pour renforcer et adapter le nouveau pont. Au niveau du personnel, on avait amené une trentaine d'engagés de Lubumbashi et on a tourné avec à peu près 100 à 120 journaliers engagés localement. Mais les difficultés rencontrées ont été surtout d'ordre logistique, c'est-à-dire que bon, pour faire ce chantier, vous avez vu, il y a beaucoup d'engins, etc. Donc il a fallu faire venir tout ça de Lubumbashi, c'était très difficile à organiser et on a eu au total 6 convois d'engins, de concassés, de ciment, etc. qui sont venus de Lubumbashi et ça a été le plus gros problème, comme va l'être celui du repli de chantier pour ramener tout à bon port, à Lubumbashi. Ben, les bonnes conditions de conservation elles dépendront des gens qui vont l'utiliser, c'est-à-dire de la SNCC. Je pense qu'ils ont déjà beaucoup de travail sur les voies, donc le pont risque d'être un petit peu livré à lui-même. Nous sommes pratiquement dans les délais du planning. En principe, les derniers bétonnages sont prévus sur le nouveau tablier métallique dans la deuxième semaine d'octobre, donc à la mi-octobre. En principe, on pourrait commencer à repositionner d'abord le ballast, les traverses et les voies. Donc là, c'est la part SNCC. Donc, pont terminé complètement, premier passage du train prévu pour mi-octobre. Ouais. Aussitôt que le pont est terminé, inauguré dans ce sens, qu'il y ait quand même, ce que je dis, qu'il y ait une ponctualité du circuit de transport, qu'il y ait des trains qui quittent Lubumbashi qui nous parviennent, des trains qui quittent Kindu qui nous parviennent. Comme ça, on verra presque une circulation beaucoup plus régulière, que plutôt encore revenir au syndrome du SFE dans les temps où l'on voyait un train tous les 3 mois. Dans un premier temps, nous allons essayer de fonctionner avec le parc existant. Mais sinon, je vous informe que les efforts sont fournis par la direction générale pour réhabiliter quelques unités de plus. Il y aura moyen d'affecter sur la relation Kamina-Kalemi 3 locomotives. Mais le coût, je dis, ça approche les 3 millions de dollars. C'est le montant de l'éducation. On est grosso modo dans le budget initialement prévu. On n'a pas de surprise particulière, pas de supplément. Donc nous respectons tout ce qui avait été initialement prévu il y a maintenant plus de 6 mois. Voilà. C'est une médaille de mérite de travail qui m'a été donnée par M. Lelou parce que c'était un travail difficile qu'on a effectué. Alors il m'avait promis, si je terminais bien ce travail, il pouvait me donner la médaille. On arrive à avoir un chantier fini, c'est très 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 rapide.
pour une contrée qui est si éloignée du monde comme ceci, où il faut 4 à 5 heures de jeep pour venir, où il n'y a pratiquement plus de route, il n'y a plus que le train et les difficultés de la SNCC pour venir. Donc c'est vraiment une belle réussite pour tout le monde, pour le Congo avant tout et pour la Belgique. Je suis Kassimu Kangose. Je me retrouve ici à Nyemba avec beaucoup de peine suite au problème lié au pont qui s'est détruit. Et maintenant, je suis très content de voir le pont réhabilité. Cela va nous faciliter pour le transport de marchandises. Sinon, nous payons cher la manutention avec beaucoup d'opérations de charger et décharger. Je suis ému de joie pour la fin de ce pont qui pourra nous permettre de se déplacer et nous aurons beaucoup de quoi à manger. Nous les commerçants, nous aurons la facilité d'aller dans d'autres régions.